Midem, l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer Bach? Vincent Barrault, pianiste, diplômé de l'Institut Mines Télécom et cofondateur d'AIVA. Sébastien Gédor, RFI, c'est un rendez-vous taillé autant pour les artistes que pour les hommes et les femmes d'affaires. Le Midem, le marché international du disque et de l'édition musicale, accueille à Cannes, dans son Midem Lab, des entreprises innovantes. Une start-up propose de la musique composée par l'intelligence artificielle. Le résultat est bluffant et cette musique classique envoûtante qu'on entend a été composée par les neurones d'un ordinateur à la puissance de calcul colossale, celui de la société AIVA, Artificial Intelligence Virtual Artist, fondée, il y a moins de 2 ans, par 2 frères, Pierre et Vincent Barrault et un de leurs amis, Denis Stéphane. 3 passionnés de musique, diplômés de l'Institut Mines Télécom et de l'University College de Londres, UCL. À 27 ans, Vincent Barrault est le doyen des fondateurs d'AIVA. On a dit à cette intelligence artificielle, apprend à partir de 30 000 compositions musicales des meilleurs compositeurs du monde comme Bach, Beethoven. Donc, ce cerveau s'est formé, l'interconnexion neuronale s'est effectuée et à la fin on est capable de composer des œuvres tout à fait uniques. Ce logiciel va déterminer les règles mathématiques de la musique, en fait, prédire la note suivante. La musique peut s'adapter aux joueurs basés au Luxembourg. AIVA vient de lever, il y a 6 mois, 650 000 euros auprès d'investisseurs. La start-up dont l'intelligence artificielle vise le marché des musiques de films et aussi des jeux vidéo. Vous avez des joueurs qui passent des centaines d'heures sur le même jeu vidéo. On pourrait très bien imaginer composer en live pour un joueur en fonction de ses interactions au jeu. Je décélère, j'accélère, et la musique peut s'adapter. AIVA emploie aujourd'hui 12 chercheurs en intelligence artificielle, de 7 nationalités. Le chiffre d'affaires est secret, mais les clients s'appellent notamment Nvidia, un des leaders mondiaux des cartes graphiques, et Vodafone, 3e opérateur mobile dans le monde. Lire aussi, musique, ouverture du Midem, largement tournée vers l'Afrique, RFI, 5, 6, 2018, le site officiel du Midem.